Il était temps d'en parler avec l'un des leaders du bloc identitaire, Philippe Vardon. Il s'est présenté plusieurs fois aux élections à Nice, où il anime un parti régionaliste, Nissa Rebella. Philippe Vardon, bonjour. Bonjour Caroline Forest. Merci d'avoir accepté le principe de cette discussion-confrontation. Quand on nous laisse la parole, on la prend. Les débats actuels, c'est la question de l'islam. Je pense que vous diriez islamisation. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment votre sujet? Ou votre sujet à vous, c'est la question de l'immigration plus généralement? Notre sujet à nous, c'est la question de l'identité. C'est-à-dire de ce qui fait qu'un peuple se différencie des autres. Nous nous battons pour la cause des peuples. C'est-à-dire ce qui fait qu'ils sont différents. Je me bats pour la cause de mon peuple, effectivement, mais aussi pour les Tibétains, mais aussi pour les Indiens du Chiapas. Nous nous battons contre un phénomène qui est celui de l'uniformisation, de la globalisation. C'est qui votre peuple? Je vous pose juste une question simple, par exemple. Est-ce qu'on peut être noir et français à vos yeux? On peut être noir et une nationalité française. Ça, c'est une réalité qui est historique et qui est une réalité institutionnelle. Maintenant, un peuple, pour nous, ça recoupe toute une série de réalités qui sont des traditions, une culture et aussi, bien entendu, une dimension ethnique. Il se trouve que concernant ce que vous appelez les Noirs, il y a une réalité française qui est celle à la fois des anciennes colonies, mais aussi des dom-toms, donc des Noirs français. Il y en a beaucoup. Et il y en avait avant le phénomène de l'immigration massive incontrôlée. Mais la question ne se situe pas, Caroline Forest, dans ce champ-là. La question, c'est de savoir ce qu'on veut faire de ce peuple, comment on le projette. La question, c'est de savoir quel sera le visage de ce peuple. Nous ne voulons pas, effectivement, d'une France africaine. Nous ne voulons pas d'une France islamisée. Nous ne voulons pas d'une France arabisée. Vous considérez que s'il y a une modification ethnique de la France, ça n'est plus la France? Et bien entendu que si la France est peuplée en majorité, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il y a des projections démographiques qui existent, et puis il y a aussi ce que le français de la rue, comme moi, comme vous, constate. Si la France devient un pays qui est peuplé en majorité de personnes d'origine africaine, maghrébine, effectivement, oui, ce ne sera plus la France. Yannick Noah, Lilian Thuram, ce ne sont pas des vrais Français à vos yeux? Et ce ne sont pas des autochtones, dans le sens, très clair du terme que vous retrouvez dans n'importe quel dictionnaire. Parlons de Yannick Noah, quelle est l'identité de Yannick Noah? Quel modèle représente-t-il? Yannick Noah nous dit, c'est formidable, je suis un métis, je représente deux identités. Moi je vois Yannick Noah qui fait de la musique africaine, qui se promène pieds nus et qui porte des dreadlocks. Je n'ai pas l'impression que ce soit le côté breton, si vous voulez, chez Yannick Noah, qui est vraiment pris le dessus. Non, quand on est français, on n'a pas le droit d'aimer la musique africaine? Mais bien sûr que oui, mais vous ne déplacez pas. Vous déplacez encore une fois le débat sur une question personnelle. Vous avez le droit d'aimer toute la musique africaine que vous voulez. J'adore la musique asiatique, vous voyez, c'est formidable. Mais concrètement, clairement, qu'est-ce qui pose problème dans le fait d'aimer d'autres cultures? Non, il n'y a aucun problème avec le fait d'aimer d'autres cultures. Notre problème, c'est que des cultures disparaissent. J'aime les cultures, mais j'aime les vraies cultures. Je n'aime pas l'uniformisation. Il y a des vraies cultures et des fausses cultures. Les vraies cultures, c'est celles qui vivent. Les vraies cultures, c'est celles qui vivent et qui survivent. Les vraies cultures, c'est celles qui ne sont pas tuées dans un magma global. Celles qui s'affirment. Et moi, de la même manière que j'aime la culture sénégalaise, mais au Sénégal, j'aimerais bien avoir le droit d'aimer la culture française en France. L'avenir de France que vous rêvez, on fait quoi concrètement quand on a un mariage mixte, par exemple? Quand un Français tombe amoureux de quelqu'un, ne vous Caroline, en déplaise, de non-blanc. Caroline Forest, les réalités sont les suivantes. La société multiculturelle, c'est une société violente. Il n'y a pas de société multiculturelle à l'échelle historique qui soit des sociétés de paix. Il n'y a pas de société multiculturelle qui soit des sociétés de paix. Une société multiracial, ça se termine en société multiraciste. Est-ce qu'on peut être d'accord pour dire que vous proposez la solution qui est celle de revenir à une forme d'uniformisation ethnique et culturelle? Pour vous, c'est ça la solution? Non, j'aime bien dans votre propos, Caroline Forest, l'idée de dire de revenir. On n'est pas dans un retour en arrière, au contraire, on se projette. On se projette. Et vous jetez des gens en passage. Si vous voulez aller vers l'uniformisation, il faut bien jeter des gens. On donne un modèle de société. On dit que cette société, pour être heureuse, doit se fonder sur notre identité, sur nos racines, car c'est ça qui a fait ce que nous sommes, c'est-à-dire à la fois ce que nous étions et ce que nous serons. Et pour que les gens comprennent bien, c'est une option très différente du modèle républicain qui consiste à réaffirmer les valeurs communes qui font la France, où là tout le monde peut y adhérer, quelles que soient ses origines ethniques et culturelles, à partir du moment où il partage ces valeurs fondatrices de l'idéal français. Nous considérons qu'aujourd'hui, dans l'État qui est celui de la France, que nous regrettons, en appeler aux racines de l'arbre France, c'est-à-dire à ses provinces, à ses terroirs, à ses régions, est aujourd'hui un moyen de revigorer, de redonner sens à cette identité qui effectivement ne peut se définir uniquement
qu'à travers la citoyenneté républicaine qui n'est pas pour nous suffisante, tout simplement, pour définir ce qu'est la France. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut réaffirmer l'identité de ce pays, la France, l'identité de ses provinces, l'identité de cette civilisation, l'Europe, redire les choses telles qu'elles sont. En finir avec le modèle multiculturel, en finir avec la honte et la repentance. Mais Caroline Forest, il se trouve qu'il y a dans ce pays un certain nombre de personnes immigrées ou d'origine immigrée qui n'aiment pas la France. Et que oui, une partie, et peut-être une large partie, de ces gens-là ont vocation à retourner dans ces pays qu'ils chantent, dont ils arborent les maillots de football. Ce qui est certain, Philippe Bardon, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est qu'on n'assimile pas des gens que l'on rejette a priori. Il n'y a aucune chance de faire aimer le rêve français, le projet français, à des gens si on part du principe que, a priori, ils ne sont pas les bienvenus, ils ne peuvent pas y adhérer. Caroline Forest, ce sont eux qui expriment le rejet de la France et de notre identité, pas nous. Je ne sais pas qui est ce, je ne sais pas qui est ce nous, mais je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus. Donc on va terminer là-dessus, Philippe Bardon. Je pense que chacun aura un peu plus compris la difficulté de vivre et de débattre ensemble. Merci Caroline Forest. Merci à vous.